N'a salué ou même qui branchait télévision nationale d'Haïti dans le téléjournal là, dernier sorti à pour semaine là, mais quelques points pour le développer. L'occasion de rentrer l'école là, président République là, Jovenel Moïse décide de employer l'État yon bourade économique. Employé qui a touché 25 000 goudes ak piba a joint 100% salaire yo. Si la yo qui touché plus passé 25 000 goudes pour arriver 46 000 goudes a recevoir 50% salaire yo. Et puis 25% pour monde qui touché plus passé 46 000 goudes. Premier ministre nommé agent Risseyon fait des pièces li vendredi 10 août la nan chambre député a ak Sénat République la. Merseyon bay garantie en avant longtemps l'a déposé pièces tout ministre ak secrétaire d'état qui pral fait partie gouvernement la. Sorti mois juin, arrivé mois juillet 2018, inspection générale PNH la recevoir 129 plaintes contre agents policiers. Parmi plaintes sa yo, gen 7 pour abus autorité, 15 pour agression, yon pour dette ak yon pour viol. L'autre point n'a bien pour nous développer, commission justice et droit moun ak sécurité publique et chambre député a, nan tête collée ak mission Nations Unies kap appuyer la justice en Haïti, lancé vendredi 10 août la projet mobilisation pour adoption, projet nouveau code pénal, projet nouveau code procédure pénale ak projet loi sous assistance légale. Et puis, organisation médicale, Médecins Sans Frontières, MSF, organisé, yon journée, porte l'ouvri vendredi 10 d'août là, dans objectif pour présenter différents services Médecins Sans Frontières, by communauté matissant, dans cas urgence, pendant yon démenti information qui t'a fait quoi, y'a quitté pays. Madame, monsieur, c'est point ça, avec un pilote qui pral parler dans le journal à soya, mais c'est après pause là. Bienvenue dans Téléjournal à souhait 10 d'août 2018 là, nous pral recevoir prévisionniste nous Wilner Polidor qui pral parler conditions temps. Merci parce qu'au branché Télévision Nationale d'Haïti, c'est toujours un plaisir pour nous capables d'informer sur comment conditions temps est sous pays et en alouest à Kounia, sous région Caraïbes avec sous océan Atlantique là. Toujours gagner une zone de haute pression qui a influencé conditions météorologiques là sous région Caraïbes là et dont Haïti, mais vers le sud, il y a un croc qui trouve ici cap influencer les conditions sous la région sud-là pour aujourd'hui. Mais comment est-ce sensible là? Il y a bien une journée cap ensoleillée pour aujourd'hui sous pays d'Haïti et sous tout département au cours de journée avec vent cap venté aussi. Il y a bien des rafales sous quelques départements. Mais en fin d'après-midi et en soirée, il y a quelques départements qui ont supposé gagner quelques activités rapides. Département Grand'Anse, le sud, l'ENIP et le sud-est. Et département de l'ouest a supposé gagner quelques activités rapides. Non seulement en fin d'après-midi, en soirée ou bien au cours de nuit. Hein, et la pluie sera capable de faire avec modéré, avec quelques coups l'orage. Mais à partir de dimanche, on a gagné la pluie qui a augmenté sous le pays d'Haïti, même si pour demain, la pluie réduit janvier sous cadre de précipitation. Ça. Mais à partir de dimanche, il y a une nouvelle onde tropicale qui a traversé le pays d'Haïti. En fin d'après-midi en soirée, majorité départementale a concerné par activité la vie. Et la pluie sera capable de modérer à faute sous le pays. Et c'est pour ça le fait qu'il y ait plusieurs côtés qui sont saturés, nous demandons des précautions surtout dans la zone Antibonite vers le centre, département de l'Ouest aussi. Et là, Grand'Anse reprend en pile précaution parce que non seulement il y a l'applicable modéré à faute, mais par rapport avec le sol là qui est saturé, il y a quelques zones qui sont capables d'inonder à partir de dimanche. Pour la capitale et ses environs, c'est un temps qui a gagné un pile soleil jeudi avec vent qui a venté. Il a senti vent parce qu'il a soufflé un peu fort sous la capitale là. Mais il y a vraiment des températures qui sont à la hausse sous le pays d'Haïti. J'en ai eu sous cadre de température ça. Mais pour la capitale là, il y a des températures qui arrivent jusqu'à 35 degrés sur certains quartiers. Et la température ça n'arrivera pas à la hausse. Et la descente en temps c'est 24 degrés. Et certainement des mounions consommés en pile. Surtout pour Timoun
pitié avec grand monde, surtout le monde qui est attendu parce que ça fait très chaud au cours de journée et même en soirée. N'a pas senti effet de chaleur. Toujours une possibilité pour assurer quelques gouttes la pluie sous capitale là. Et avec ça, on est capable de faire à modérer avec quelques coups de l'orage sous majorité ou bien quelques quartiers sous capitale avec zone qui en vie. On est lieu. N'a bien, je dis à on l'a mais qui agité à faute sous côte sud pays d'Haïti, mais côte nord avec golfe de Dagonal, la mer a agité, peu agité, agité. Capitaine, il est capable de naviguer, sauf que faut prendre précaution là côte sud là. Non seulement par rapport avec la pluie cap trouver visibilité à prédit, mais aussi la mer a agité à faute sous côte sud pays d'Haïti. Il faut pas dire que le migrant, je dis à ce là, a couché à 7h19 minutes. Et la levée demain matin à 6h31. Merci pour fidélité avec attention. On a croisé lundi pour l'autre page météo. Bon week-end à chacun de vous. Merci Wilner et bon week-end. Dans l'occasion de rentrer l'école, le président de la République, là, Jovenel Moïse, a décidé d'accompagner employés l'État. Yo. Dans ce sens, l'employé a touché 25 000 gouttes à Kapiba, a joué 100% salaire. Si l'ayo qui touchait plus passé 25 000 gouttes jusqu'à 46 000 gouttes, a pour recevoir 50% salaire et puis 25% pour les gens qui touchait plus passé 46 000 gouttes. Premier ministre nommé agent Henri Seyon fait des pièces li vendredi 10 août là dans Sénat République là parmi pièces yo copie passeport casier judiciaire curriculum vitel pour ne citer ça yo seulement c'est secrétaire général Sénat Ronny Gillo qui recevoir pièces yo dans main PM nommé agent Henri Seyon vice-président Sénat Pierre-François Sildor encourager premier ministre nommé à pour déposer pièces tout ministre et secrétaire d'état pour Sénat qu'à analyser yo. Sénateur Sildor dit Sénat pral formé une commission spéciale avant longtemps cap gagné pour analyser document premier ministre nommé. Nous proposons un extrait que Fedner confident avec Moïse Wilbridge t'ai préparé pour nous. On a touché et à partir de l'espace là, nous allons former une commission spéciale qui va analyser toutes pièces pour bail. Et maintenant, pièces, même gouvernement, ministre, secrétaire d'État civil, pour ce même processus. Et suite à la fonte de conformité, une commission spéciale qui va former dans le Sénat. Les différents temps là, ce qui va analyser le dossier, alors la fonte de conformité de pièces. Et de pièces non gouvernement, nous allons inviter pour venir pour faire énoncer des déclarations politiques générales dans ce sens. Nous, comme situation pays à janvier, nous s'apprécions nous tous pour nous doter et pays d'un premier ministre, et ça fait le plus rapidement possible, nous avons une commission spéciale là pour analyser le dossier. Et nous pensons que tout va être là. Nous avons un bon rapport de conformité sur les pièces de nous-mêmes et de membres gouvernement. Ministre de l'État, pour nous inviter pour une raison politique générale. Et après le fin déposé pièce li dans le Sénat, premier ministre nommé Jean-Henri Seyon fait dépôt pièce li dans chambre députée à tout. Secrétaire général chambre députée à Guy Gérard Georges confirmé, il recevoit en tout 21 pièces nommé premier ministre nommé à toute pièce ça yo c'est copie parce que PM nommé a été déjà déposé original yo dans le Sénat. Guy Gérard Georges remet yon accusé réception by premier ministre là qui prouvait li joindre toute pièce yo toujours dans micro Fedner en confident avec Moïse Wilbridge un extrait. Le vœu de la Constitution de l'article 157, on a l'extrait des archives. Des archives, l'extrait des archives de la mère du père. On a l'extrait des archives de la mère et du grand-père. OK. L'extrait des actes de mariage. On a oui, oui. Alors, s'il y a lieu, ok. De toute façon, ça va dépendre de la commission. Donc, ça peut arriver que la commission demande des ajouts. Certificat de nationalité,
certificat émis par la Direction générale de l'immigration et de l'immigration. Passeport, tous les documents de voyage détenus par l'intéressé, carte d'identification nationale, matricule fiscale, casier judiciaire, certificat de bonne vie et mœurs, titre de propriété, certificat de résidence, certificat de déclaration définitive d'impôt, certificat de décharge si il a été comptable des deniers publics. Donc c'est pas le cas. Curriculum vitae. Sous bon parler, Premier ministre nommé Jean-Henri Seyan fait qu'on a déposé toute pièce la loi exigée pour yon moun vin Premier ministre. Médecin en bail garanti, avant longtemps, l'a déposé pièce toute ministre avec secrétaire d'État qui a gagné pour faire partie gouvernement là et puis il promet pour le chita parler à tout secteur dans le cadre de formation prochain gouvernement, surtout parti politique qui représente dans le Parlement. Concernant déclaration politique et général li, Premier ministre nommé a fait connait la travail avec le président de la République là sous préparation document. Médecin en dit si un ancien ministre qui était dans le gouvernement te fait travail li bien, pas gain aucune raison pour le pas reconduire. Toute pièce de la loi exigée, nous sommes légalistes, nous sommes avocats avant et je dis un notaire qui gagne, connaît ça la loi dit, qui respecte scrupuleux de la loi, et c'est pour ça, bon temps, nous posons pièce. Nous avons déposé toutes pièces. Bon, là, 21, parce qu'il y a des pièces pour déposer un paquet. Donc, soit déposer passeport, déposer 13. Mbakadine déposer 13 passeports. Travail avec le président Jovenel Alfel depuis le film nommé, il mettait mal à l'aise, évidemment. Évidemment, la Constitution prévoit. Pourquoi choisir le ministre? Faut chiter le président. Je ne vais pas oublier. Le président Jovenel Moïse, c'est lui qui fait campagne. C'est lui-même qui vend une vision que peut acheter. Donc, tout ça m'a fait, normalement, il faut que je grande consultation avec lui pour mettre d'accord avec lui. Dans la situation hier, d'ailleurs, tout le monde connaît, moi-même, c'est un rassembleur. Et c'est ça, c'est à ce titre que moi. C'est faciliter les relations entre les Haïtiens parce que pas une personne qui a porté ça, nous savons. Donc, et d'abord les partis politiques, parce que c'est organisé, les partis politiques qui sont représentés au Parlement d'abord, font chita avec eux, et c'est normal que je chita avec eux, parce que Chahila a porté la veine. Il y a séparation des pouvoirs, mais pas qu'il confie un pouvoir. C'est pour nous rechercher, pendant que nous avons là, il faut dire pour nous rechercher l'harmonie entre les pouvoirs pour faire bien marcher. C'est ça. Et pour ça, on a même. Si un ancien ministre qui fait travail à la perfection et que le peuple haïtien satisfait de lui, pourquoi ne pas le reconduire? Tout le monde qui va le ministre du secrétaire d'État soumettre nous-mêmes, d'abord, bien sûr, nous allons analyser nous-mêmes avant de soumettre au bureau de la Chambre des députés et du Sénat. L'autre point sorti mois juin, arrivé mois juillet 2018, et inspection générale police nationale d'Haïti recevoir 129 plaintes contre agents policiers. Parmi les plaintes, ça y a 7 pour abus d'autorité, 15 pour agression, yon pour dette et yon pour viol. Responsable IGPNHO réalisé 1149 enquêtes. Porte-parole IGPNH l'a fait connaître, inspection générale police nationale d'Haïti transféré dossier 11 policiers dans le paquet. Jean-Claude Benjamin, qui se porte-parole en après IGPNH, là, tenant micro, John Herbie Casséus et Frenel Toussaint. Dans l'acte d'enquête, ça a gagné 280 convocations, 271 auditions, 47 enquêtes de voisinage, 36 confrontations, 19 médiations, nous avons gagné 7 isolements. Les deux mois, juin et juillet. En fait, il y a un dossier tout qui sorti dans. En fait, il y a une saisine d'office, constatant qu'il y a un rapport externe, qui est au nombre de 169, mais il y a dit tout qu'il y a trois policiers qui ont fait demande de recours, c'est-à-dire trois policiers révoqués et qui écrit inspecteur général en chef pour demander réintégration. Enquête qui était l'ouvrie pour ces différents dossiers, c'est le nombre 236. Tandis que rapport d'enquête signé et expédié au directeur général
pour les deux mois, il y a un nombre de 141. Dossier d'enquête qui signé et expédié au directeur général en deux mois juin, deux mois janvier à juillet, il y a un nombre de 435. Certaines recommandations qui dans le dossier SAO, par exemple, il y a une recommandation de réprimande, il y a 5, il y a 8 mises en disponibilité, il y a 66 suspensions. Même j'ai tout gagné 53 classements. Classement, vous l'avez dit, c'est plainte que plein emporté dans l'inspection générale. Là, il y a aucune traité dossier, pas gagné matière pour poursuivre policier et IGPNH recommandé que le dossier soit classé. Donc, il y a au nombre de 53. Gagné tout 80 avis au plaignant. Avis au plaignant, c'est lorsque le plaignant n'a pas de plainte. Le fin, dossier fin traité, nous faisons le devoir pour nous réler ou bien pour nous écrire pour nous dire, mais ça qui sorti dans plainte que le voté. Donc au total, il y a 80 avis au plaignant. Bureau monétisation programme aide pour développement BMPAD rend public et vendredi 10 août là toute proposition le recevoir dans cadre appel institution a été fait dans date 8 août passé à sous commande pour acheter produits pétroliers pour fonctionnement dans administration publique là. Dans ce sens, c'est compagnie Novoun et Dinasa qui remporté appel pour proposition pour le vendre BMPAD 550 000 barils diesel à un prix $9.59 chaque gallon. Et puis 319 000 barils gasoline à un prix $15.21 chaque gallon. Compagnie Dinasa bon côté parle proposer la vente BMPAD 200 barils kérosène, ça aurait les gaz blancs, à un prix $20.38 chaque gallon. Gagné Commission nationale et marché public CNMP qui n'ont tête collée avec réseau journaliste économique pour développement durable REGED qui mettait bout et vendredi 10 août là à deux jours d'information pour journalistes et différents médias. Pendant deux journées, participants ont recevoir connaissance sous divers modules qui ont rapport à procédure sous marché public, modèle corruption dans passation marché public et puis investigation dans finances publiques. Il y a une série d'informations qui visent à travailler la pression plus outils pour faire travail et puis participer dans aider l'État à faire plus économie. Esaïe Aurelius à Kervé Pierre pour un extrait. Les objectifs visés, justement, c'est arriver à faire, arriver à une meilleure assimilation des notions relatives au marché public, appel d'offres ouvert, appel d'offres restreint, gré à gré, les procédures de passation des marchés publics, les rapports entre la formation des journalistes et justement la réalisation du travail de vulgarisation, ce sont autant de thèmes qui étaient traités naturellement, pas du tout. Mais il faut dire que les intervenants, une spécificité de cette formation et qui réjouit nous, c'est que cette formation a été animée conjointement par les cadres de la CNMP, des hauts cadres de la CNMP et également des membres du réseau. Nous avons eu vraiment des journalistes qui intervenus sur des thèmes bien particuliers. Atelier de formation, ça a participé de volonté, nous-mêmes qui en dans réseau, en dans REGED, qui c'est réseau de journalistes économiques pour le développement durable, pour que nous formions tête nous. D'abord, pour que nous outillions tête nous, pour que nous renforcions capacité nous. Parce que en dans réseau, nous était quoi que un journaliste qui mieux formé, capable de faire travail plus bien, capable d'informer la population plus bien. Et comme marché public là, c'est un gros mousselier dans sa économie pays, parce que c'est l'État, hein, qui a acheté services, qui a acheté des biens, et que l'autre totalise tout comme ça, il représentait 6% de PIB PIA. Donc c'est 6% de richesse PIA que PIA généré chaque année, et bien 6% qui est allé dans achat biens et services que l'État fait. Donc en tant que journaliste qui travaille sur l'économie PIA, qui travaille sur budget PIA, et bien des juges importants,
ça qui est le marché public là pour des gon initiation là dedans. Ça veut dire que nous experts pour ça, mais nous gon initiation. Nous commencer comprendre jargon. Là on a parlé de marché public, de qui ça que le voulait dit, qui procédure qui gagne pour marché public, qui procédure qui pour respecter le marché public à passer, qui côté que capable gagne corruption en dans marché public yo. Donc c'est tout ça que nous déroué avec journalistes yo et nous ouais tout avec yo et quelques techniques d'investigation. Donc nous gagne de journalistes seniors qui passaient de présentation, qui étaient passés venu pour montrer yo quelques outils que nous capables d'utiliser pour nous capables faire investigation, pour nous capables faire enquête, parce que nous était quoi que on presque spécialisé capable rendre pile service à pays, on presque spécialisé capable beaucoup plus utile que on presque cap faire actualité chaque jour. Commission justice droit mon acte sécurité publique et chambre député a dans tête collée avec mission Nations Unies cap appuyer la justice en Haïti lancé vendredi 10 août là projet mobilisation pour adoption projet nouveau code pénal, projet nouveau code procédure pénale et projet loi sur assistance légale. Cérémonie ça a déroulé en présence des représentants ministère justice et sécurité publique secteur droit moun et a parlé à plusieurs qui ont contre Rachel Saint-Fort à Kervé Pierre. Projet ça comme dire si moi visé à terre étatique, non étatique à partie internationale pour bas système judiciaire ici un outil à questionnement légal capable d'augmenter performance magistrale. Ce projet qui est le fruit d'un partenariat avec le Parlement se matérialise à une étape charnière de l'histoire de ce pays. Étant donné les appels nombreux venant d'Haïti et d'ailleurs, pour d'une part l'établissement d'une politique économique, sociale, plus inclusive et plus à même d'adresser les besoins des communautés, et d'autre part l'avènement d'une justice fiable, transparente, équitable, accessible à toutes les Haïtiennes et à tous les Haïtiens. En effet, la société haïtienne plaide pour la mise en place d'une institution judiciaire forte et indépendante qui soit capable de rendre la justice de manière impartiale. Quelles sont les grandes innovations au niveau de l'avant-projet du projet de code pénal? J'ai parlé de nouvelles infractions, crime contumacique, génocide, redéfinition du viol comme agression sexuelle, harcèlement sexuel, harcèlement moral. Enregistrer les diffusions d'images de violence. On a incorporé dans le texte la loi sur le trafic d'expression. Bon, au niveau maintenant du code de procédure pénale, on a apporté des innovations qui sont perceptibles, n'est-ce pas, dans toutes les phases, n'est-ce pas, du processus. D'après explication président de la commission justice droit moun et sécurité publique chambre députée Jean-Marie Forestal, grand pile loi qui ancien, l'important pour bail pays a instrument légal qui a d'égalité a. Député porte-parole a bail garantie semaine qu'a venir en chambre députée a ratifié loi sur assistance légale là qui déjà voté dans le Sénat selon ça l'expliquer. Ce projet est financé par la ministre exceptionnellement la FINPAX pour l'exécution. À la Commission permanente de justice, de la sécurité publique, à la Chambre des députés, des mécanismes à mettre en branle en vue de la votation. C'est à la rentrée de la troisième année législative de cette 50e législature, la votation de ces deux projets de loi, le code pénal, le nouveau code pénal et le nouveau code de procédure pénale. Si vous avez la société n'est pas statique, eh bien, nous devons se faire sentir pour que désormais on adapte les instruments légaux haïtiens aux nouvelles réalités sociales haïtiennes. Élaborer un document qui a contribué à renforcement réforme judiciaire et puis politique pénale gouvernement, établir un système contrôle et suivi action gouvernement sous plan pénal pour permettre la population de jouer un plus bon système pénal et judiciaire. C'est ensemble résultat initiateur visé à travers projet mobilisation pour adoption projet nouveau code pénal, nouveau code procédure pénale et projet loi sur assistance légale là. Merci Rachel Saint-Fort, à Kervé Pierre. Nous prenons une autre pause dans le téléjournal là, nous tenons un petit moment.
La bra poursuivre avec l'organisation médicale Médecins sans frontières MSF qui organisait une journée porte l'ouvrir vendredi 10 août là dans objectif pour présenter différents services et Médecins sans frontières bay communauté Matissan dans cas urgence. Responsable MSF yo démenti information qui t'a fait quoi y a quitté pays a pendant yo fait connait y a continuer fournir service yo bay population dans domaine santé. Le reportage est cette quoi pas qui à Henri Robert Chéri. Journée porte ouverte ça, organisation médicale Médecins sans frontières réalisée dans l'idée pour présenter ensemble service ONG médical là bay à population avec intervention yo fait dans moment catastrophe naturelle, épidémie choléra, monde qui victime par balle, accident machine avec motocyclette, femme enceinte et latrier. D'après explication coordonnatrice MSF de Matissan, Solène Lemur. Les activités de MSF en Haïti sont toujours présentes et surtout au centre d'urgence de Matissan qui accueille les cas urgents 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Par cas urgent, on entend évidemment les cas traumatiques, les accidents de la voie publique, mais pas seulement. On a aussi les gens qui sont malades, peut-être les bébés qui viennent avec de la fièvre ou quand on est adulte et qu'on n'arrive plus à respirer. Donc dès que c'est urgent, on va prendre en charge ici à Matissan, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc ce qui va se passer, c'est que le patient va arriver au niveau du triage, d'accord ? En fonction de la gravité de son cas, on va lui donner une priorité dans sa prise en charge dans la salle d'urgence. Ensuite, ils seront pris en charge dans la salle d'urgence et soignés. Et après, on a trois cas différents. Ou bien la personne est soignée, elle peut rentrer chez elle, et on lui donnera même des médicaments si besoin. Ou la personne, on a besoin de l'observer un petit peu pour être sûr, donc elle reste avec nous 48 à 72 heures en salle d'observation. Ou alors, vraiment, on ne peut pas donner les soins nécessaires à cette personne puisqu'il faut une prise en charge un peu plus complète. Et dans ces cas-là, on la stabilise et avec nos ambulances, on va l'envoyer dans des structures de référencement. Médecins sans frontières a des ressources médicales, matérielles, financières, humaines. Et en fonction des urgences, puisque c'est ça notre mandat principal à MSF, ce sont les urgences. En fonction des urgences qui se présentent dans le monde, on réaffecte nos priorités d'intervention. Responsable communication Médecins sans frontières Haïtien, démenti information qui t'a fait quoi? MSF a quitté pays. Pendant qu'ils ont annoncé, il y a quelques services qui ont fermé dans différents hôpitaux MSF dans la région métropolitaine. Les Médecins sans frontières toujours dans le pays. Les Médecins sans frontières pas quitté pays. Donc, nous là, et notre travail, même je nous là, nous mentissons. Et pour couper court avec toute rumeur qui dit Médecins sans frontières aller, Médecins sans frontières subit pression, nous quitter Delma 33, nous gagnons pour nous quitter l'autre encore, ma petite population, non, c'est pas ça lié. Médecins sans frontières évaluer l'activité liée de par le monde et lui décider comment la réorienter toute structure liée. Ça veut dire tout l'hôpital liée. Gagnons qui a continué à marcher, même gens, lui fermer, il pas recevoir encore. Donc, car femme enceinte, Médecins sans frontières, pas recevoir encore pour accouchement avec complications. C'est unique centre qui fermait pour l'année 2018 là. Pas bien l'autre encore qui fermait pour l'année 2018 là. Actuellement, Médecins sans frontières, il y a 5 hôpitaux qui ont fonctionné dans le pays d'Haïti. En 2019, il y a l'autre encore qui a bien pour fermer. C'est sans tabac là. Mais ça ne veut pas dire que chaque année la fait meilleur, ça ne veut pas dire que la fait meilleur grain par grain. C'est pas ça lié. Toute activité va continuer à fonctionner selon prévision et a gagné déjà. Ok? Pour qu'on y a là, nous gagnons qui ferme, l'année prochaine, nous gagnons qui ferme encore. Et nous avons toujours été, même l'année prochaine, nous avons été 4. Qu'on y a là, nous gagnons 5 qui fonctionnent. Médecins sans frontières, c'est une association humanitaire internationale qui est dans le pays d'Haïti depuis l'année 2010 et a porté assistance dans le cas d'urgence de la population dans le domaine de la soins. Responsable de Corée la Vio organisé vendredi 10 août la yon journée capitalisation ak échange sous programme Corée la Vio. Activité ça réalisé en présence de différents partenaires nationaux ak international institutions et puis bénéficiaires. Rachel Saint-Fort, Hervé Pierre pour yon compte rendu. C'est dans l'idée pour informer population, partenaires nationaux et internationaux, sur ensemble activité à réaliser, responsable Corée la Vio organisé journée ça.
Activité ça c'est occasion pour organisateur présenter programme là et puis partager avec monde qui te fait déplacement témoignage bénéficiaire yo. Pour la vie c'était une initiative pilote tant qu'on nous t'expliquer et qui c'est en réponse à la demande de l'État haïtien d'établir un filet de protection sociale tant que ça existe dans tout notre pays puisque nous connaissons dans toute société il y a des monde qui besoin un coup de main à certains moments dans vie pour capable faire face à la réalité chaque jour. Nous sélectionner bénéficiaires selon le niveau de vulnérabilité yo, et monde ça yo après que yo fin en passer là ça yo recevoir un coupon chaque mois qui a une valeur de 1500 gourdes et qui est séparé en deux parties. J'ai été expliqué avant, gagne une partie la mise maïs, pitimi, pois, farine avec l'huile. Donc ça c'est pour les produits locaux pour 1000 gourdes et puis il gagne 500 gourdes qui c'est l'autre partie coupon que utiliser pour acheter légumes, fruits, viande, etc. Donc c'est ça que chaque bénéficiaire recevra sur une base mensuelle et recevra 1500 gourdes depuis que le programme a commencé. À l'heure actuelle, nous touchons environ 17 700 bénéficiaires pour être plus exact et c'est ça que fait tout à l'heure nous avons une estimation côté de dérivé à chiffre que nous dit que au niveau mise en œuvre qu'on la vie débourse ne serait-ce que dans l'échange des coupons chaque mois environ 450 000 dollars américains puisque valeur coupon hein, le regard des termes d'échange entre 1500 gourdes livre presque 20 à 25 dollars US. Selon responsable yo programme ça qui passé a bénéficié en extension pour de l'année pour transfert de mise en œuvre programme là à l'État haïtien à travers le ministère des Affaires sociales et du travail. Quand on m'a expliqué tout à l'heure à d'autres collègues dans le cadre d'activité de passation programme là nous avons transféré gestion opération programme là à ministère des Affaires sociales et du travail au niveau du département de la Tibonite à la direction départementale de la Tibonite et nous fait que faire ça la semaine passée à la direction départementale du Nord-Ouest. Donc on y a couru la vie au niveau de ces deux départements là pas mettre en œuvre, ni pas exécuter sur terrain par les partenaires du consortium mais plutôt à travers le ministère des Affaires sociales et du travail et les partenaires du consortium venir dans un rôle d'appui. Donc vraiment prochaine étape là c'est assurez-nous que nous supporter et techniquement et je dirais opérationnellement le ministère des Affaires sociales à travers cette direction départementale dans ces départements-là pour être capable de continuer à faire mise en œuvre programme sans que nous pas déroger à principe de mise en œuvre là et principe de réduction de compte et de responsabilité envers bénéficiaires parce que faut qu'ils reçoivent pour ça chaque mois pour être capable Jean Noabit Jeffel le circonscription qui a fait mise en œuvre. Encourager production locale, faciliter accès à une nourriture qui est équilibrée avec monde qui peut faire bio, contribuer à réduire insécurité alimentaire dans le pays, encourager pratique nutritionnelle équilibré. C'est pas mieux objectif programme ça d'après responsable. Maître Camille Leblanc salue choix président République là Jovenel Moïse qui nommé Maître Jean-Henri Seyon pour venir nouveau premier ministre pays là. D'après avocat Maître Seyon gain capacité pour le mener pays dans bon chemin pendant le souhaité nouveau chef gouvernement choisi monde qui gain capacité bon côté. Ou pas qu'à fond gouvernement après échec là, pour un gouvernement uniquement de partisans, il faut aller chercher ailleurs, trouver un monde qui a mis tout le monde ensemble. Ça a été pour tout le monde l'élément déterminant. Chercher une personnalité qui est capable, l'en mi-temps, et rassembler tout le monde. Maintenant, rassembler tout le monde, non, ça veut dire qu'aller chercher les ressources disponibles de ce pays, les ressources techniques, et pour que le président de la République lui-même, Ligue 1 était élu sous vision, il était des bons projets, fait nouvelle équipe ça avec beaucoup d'audace, beaucoup de perspicacité, à adapter les propositions président vision et grandes lignes de Bali à tant de population actualiser pour bailler des réponses pour permettre que nous recréer confiance dans le dirigeant pays. Donc voici plus ou moins la démarche qui a été la contrainte du président, trouver une personnalité qui n'est pas sorti dans le camp forcément, mais au monde que il a parlé avec lui, qui a parlé avec tout le monde pour nous-mêmes et les consultations qui étaient faites, d'après ça arrivé à comprendre, permettre que vous indiquiez M. Jean-Henri Seyon comme étant personnalité ça. Maintenant, bien évidemment, et dans le pays d'Haïti, pas jamais aucun monde qui fait l'unanimité, quelle que soit la situation, les mondes qui gagnent des gens et contraire. Mais la majorité est consultée et conscient. Donc, Jean-Henri Seyon a parlé à tout le monde.
toute classe sociale et lui-même a créé pour ça. Parce que au bon pays, c'est comme si vous avez un pont Lévis, un paquet de monde coupé, une part et rencontrer à l'autre, vous avez besoin de monde qui a jeté un pont, côté capable de réunir tout le monde. Donc, moi-même, je pense que oui, Jean-Lycéen, c'est une personnalité sale capable d'aller chercher tout le monde pour parler à tout le monde, pour rassembler tout le monde. Maintenant, question. Le président de la République a fait son travail, il choisit un premier ministre, maintenant il appartient au Parlement. Une réaction qui part différent bon côté professeur Jean Poincy qui était quoi premier ministre nommé a gagné un charisme pour l'unir différents secteurs à qui avancer des différents chantiers. Il souhaitait cependant nouveau premier ministre élaborer un plan directeur qui prend en compte les problèmes capables et des populations joignent à l'émir. Même une claire, on peut dire général, juste, j'en connais, non, là, papa, et permettre, et premier ministre, aborder les problèmes que le pays a souffert là. Qui veut dire, et, on même ça me proposer que, faut que tu aies un plan directeur, qui dit, mais qui sera fait, mais plan directeur, là, il faut que l'accès sous action économique, activité économique, qui t'a refait, qui pour sortir le pays dans sa là. Qui veut dire, étant donné que le problème, là, qui vient, demander pour changer le gouvernement, son problème purement économique, lié et donc on a faut première action son action qui dit nous va faire ça pour au moins dans 3 mois pour que la pour changer pour la chose qui a l'impression que dans 6 mois on s'en a commencé à travailler c'est ça pour et premier ministre en fait on a pour faire qui ça dans le plan directeur que le TAD oui présenté à c'était dit ok mais qui activité focaliser nous que dans un emploi qui crée le plus vite que possible approche que le on a un moment pour le faire au pied du mur que le faire c'est la première action que vous avez posée mais cependant souvent ils font l'activité économique et ont besoin d'investissement que fait là-dedans. Comité exécutif et vision pour Haïti à Mondlan via Mo mette bout lundi 6 août là à 14e congrès international. Nidrey Milias ak Loro Darli Jean-Jacques te assisté cérémonie c'est là. 14e congrès vision pour Haïti et pour Mondlan via Mo te occasion pour membre comité exécutif institution soulever divers problèmes qu'a traversé société ya. Tankou, éducation, santé sans blier division, je répète qu'à plonger famille haïtienne. Membre 34 pays qui t'a participé dans cette activité congrès, prend engagement pour aider le comité exécutif Yamoa dans le domaine de la santé, éducation, environnement et migration. C'est le 14e congrès international Vision pour Haïti et pour le monde via Yamo. Donc, nous avons ensemble des pays qui fait déplacement, donc environ 34. C'est clôturé grand congrès qui a commencé le 2. Donc, qui prend fin, aujourd'hui, avec Yoshita parlé, une réflexion qui fait ici. Là. Réflexion faite sur question éducation, santé et environnement, mais sous division qui n'a mis en peuple haïtien. Congrès a été occasion pour une membre fondateur institution chrétienne, ça. Maxo Joseph présenté 4e livre qui est pour titre Haïti demain. Côté OTA plaidé pour engagement mentalité, il souhaitait chaque haïtien prend conscience pour bataille dans l'intérêt pays. Autour de ça, nous produisons un document. Donc l'idée exécutif via moi, parce que je suis fondateur moi-même, il y a des bons accès dans le congrès pour me présenter pour dire ça, que c'est 4e livre. C'est vision pour Haïti, pour le monde comme institution et livre la Haïti demain. Donc là-dedans, nous faisons constat de Haïti aujourd'hui et nous demandons l'autre Haïti. 14e congrès international vision pour Haïti à Mondlan, via Mo, te déroulé sorti 2 pour arriver 6 août 2018 là. Communauté chrétienne nan te joint possibilité participer dans une gros croisade sous kiosque Oxygentir. Nous avons mis les spectateurs, nous avons pris une dernière position dans le journal ça, le domaine n'a pas l'international. N'a plus ouvert page internationale là, 4 monde qui mourit, parmi eux 2 policiers,
dans yon fusillade qui fête vendredi 10 août là dans pays Canada. Suspect là d'après porte-parole la police ville ça ta yon nom 48 l'année qui habitait dans ville Fredericton. Nom ça la police arrêté la Kaili yon titan après zak là. C'est deuxième fusillade est à Nouveau-Brunswick subi après yon nan mois juin 2014. Yon situation qui pral fè gen passé men nan législation sou moun ki gen droit pote zam d'après ministre fédéral sécurité publique pays ça Ralph Goodall. Pays la Russie considéré tant qu'il y a une déclaration la guerre, décision Washington prend pour Bali, il y a l'autre fois encore une quantité de sanctions économiques. D'après ministre Dimitri Medvedev, démarche ça yo inadmissible et puis illégal pendant le quest ça pas semblé à Claude Bagay que il y a une déclaration la guerre. Dimitri Medvedev annoncé yo pral agir avec toute force ça mandé sous plan économique, politique avec l'autre moyen qui nécessaire. Journal arrivé dans Boutli, mais titre nous développé, dans l'occasion rentrer l'école là, président République là, Jovenel Moïse, décidé by employer l'État yon bourra d'économie. Employé cap touché 25 000 goudes à Piba a joint 100% salaire. Si la yo qui touché plus passé 25 000 pour arriver 46 000 goudes à recevoir 50% salaire. Et puis 25% pour moun qui touché plus passé 46 000 goudes. Premier ministre nommé agent Henri Seyon fait des pièces li vendredi 10 août là. Dans chambre député à Sénat République là. Mette Seyon by garantie en vingt longtemps l'a déposé pièce tout ministre. Ak secrétaire d'État kap gagné pour faire partie gouvernement là. Soit mois juin, rivé mois juillet 2018, inspection générale police nationale d'Haïti recevoir 129 plaintes contre agents policiers. Parmi plaintes sa yo, gen 7 pour abus autorité, question yon pour dette ak yon pour viol. Commission justice et droit sécurité publique député an en tête collé ak mission Nations Unies cap appuyer la justice en Haïti lancé vendredi 10 d'août là projet mobilisation pour adoption projet nouveau code pénal là projet nouveau code procédure pénale et projet loi sous assistance légale et puis organisation médicale Médecins sans frontières MSF organisé yon journée porte l'ouvre vendredi 10 août là dans objectif est pour présenter différents services médecins sans frontières by communauté matissan dans cas urgence pendant yo démenti information qui fait quoi y a quitté pays. Merci à vous même qui t'ai prêté attention pendant tout téléjournal ça. Merci à toute équipe là qui rend li possible. Nous souhaitons passer un très bon week-end. En compagnie nous télévision nationale d'Haïti chaîne 8.